Bon bah voilà. Hein. Bon. C'était bien. Putain merde, je reviens quand c'est fini. Je te donne la liste. Deuxième partie, petit souci. Des furies. Alors, les super deuxième partie, Fighting Angels. On va regarder un petit peu le bouquin, donc après les personnages qu'on a vu vite fait tout à l'heure. Si ça s'est pas arrêté avant. Voilà. Donc JP, ouais, si tu veux que je te donne la biographie de ton perso. C'est quoi la garde, c'est quoi? Non, c'est énorme, je crois. Reiko, donc Reiko. Reiko enseigne les mathématiques dans une école. Oh, je suis garde. On est la norme de cœur. Bon, c'est bien hardcore là. C'est bien hardcore. Incroyable. Et c'est où la partie sexe? Ouais, c'est vrai. C'est les bikinis. C'est les nanas à poil. Enfin, à poil. Tu me comprends? Comment ça, alias? Oh non. T'as le palmier, rien de palmier. Oh merde, chez moi. Oh, ah, c'est vraiment du catch là. Le Devil's First des jeux de baston. Voilà, c'est ça. Bon, au lieu que ça soit un gros soviétique avec un sabre, c'est deux nanas en bikini qui des fois peuvent prendre un sabre. Putain. Qui est fou là? On va reprendre la vie. Ouais, c'est ça en fait, tu reprends la vie. Weapon on fight to the death. To the death. To the death. Tu cours après avec un sable, quoi. c'est quoi cette histoire, c'est? Allez, vas-y. Chope la mitraillette. Chope la K-47, vas-y. Ah là, c'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Comment c'est cheaté, le flingue? Ah, mais tu peux rien faire. Oh, tu ne peux rien faire. T'as le flingue, tu te fais prendre dans le... Énorme. Dans le feu des balles, tu peux rien faire. T'as quand même modélisé les balles. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on peut signaler l'effort. C'est vrai. Voilà. Très belle victoire de notre ami JP. J'ai été déchaîné, là. On sent le mec... Je lui ai fait un petit frame trap, là, vraiment. J'avais un bon Blockstone, là, sur... Je crois pas. Donc, le nouvel adversaire Mailing avec ses mini tresses. Il y a eu une bonne batte dans sa vieux. Ouais. Pas beaucoup de bouse, mais ça bouge beaucoup. Hein. Ouais, enfin, c'est pas cool. Mais en plus, il y a une jauge de furie en bas. Il y a une garde. Ouais. C'est ce que tu peux sortir, tu vois. Bah, ça fait comme le coup tout à l'heure qu'on n'a pas vu, je crois, sur la vidéo. Je sais pas comment on fait les chocs. Faut regarder dans le bouquin. Oh, tu t'es fait massacre. Aïe, aïe, aïe. Alors, là... sur... Aïe, aïe. Boum. C'est pas cool. Il doit y avoir un truc sur les... Attaque, ah oui, attaque sexy et tout. Voilà. Attaque maladroite, prise, danse sexy, attaque avec des objets, provocation. Alors les attaques. Attention, il y a vraiment. C'est vraiment recherché comme jeu de combat, on dirait pas. L1 plus non, L2. On dirait pas, je te le confirme. Oui, on dirait vraiment pas. Mais. L1 et L2, les chocs. Oh, j'ai fait un. Oh là là. Voilà. Ça, c'est, cette partie, on va dire, c'est un hommage aux 20 ans du film Mortal Kombat. Avec Christophe Lambert, je voudrais qu'on ait une pensée pour ce film. Voilà, voilà. Alors, comment je la. Qu'est-ce qui se passe? T'as rechargé ta barre de super là. C'est quoi les tickers en bas? C'est ta barre de super. Voilà. C'est, je pense, pour faire des attaques plus puissantes quand, si tu fais la bonne combi. Si tu t'évanouis par terre, tu vois, quand tu tombes au sol, t'appuies sur R2 et tu peux faire semblant de t'évanouir. Et du coup, pour impressionner les spectateurs et charger la jauge sexy. Dans ce cas-là, t'es vulnérable aux attaques, mais bon, tu peux appuyer sur les autres touches pour prendre le. Non, mais il a l'air technique, hein. C'est pas après, l'hélico. Je pense que tu vois, c'est un peu lourd à manier, non, pas très joli. Mais c'est pour les vrais joueurs. Mais voilà, c'est pas pour les gars qui prennent c'est pas pour les gars qui prennent Akuma dans Street Fighter, tu vois, c'est vraiment un jeu hardcore comme le Nord, quoi. Je sais pas ce que je fais là, j'ai fait ça. Mais je sais pas, tout à l'heure ça remplissait ta jauge de cœur en bas. De cœur qu'on peut voir ici, comme vous pouvez voir. Quand tu t'approches, appuie sur triangle ou carré. Voilà, là, très beau câlin. Ça va marcher. Voilà, allez, une petite provocation de Mailing. Le but, ça serait de faire le plus de câlins possible. Ouais, c'est bon.
serait plus vraiment un jeu de combat. Hein. C'est vrai. J'ai gagné au tapis. Ah oui, faut recharger. Faut recharger les batteries. Alors, sereinement. Moi, je comprends pas ce qui se passe là. Mais là en fait, regarde bien, il recharge sa barre de vie. C'est comme plein de choses. Voilà, c'est pendant que l'autre il est KO en quelque sorte, enfin pas vraiment là, mais pendant que l'autre est KO dans Punch Out, tu peux recharger ta... Magnifique. Mais non, mais comment elle fait ça? Moi aussi je sors faire des shots, bordel. Mélange de catch. C'est ça, ouais, ça fait... Putain, ça fait typiquement catch féminin, sauf que le catch féminin en vrai est beaucoup moins impressionnant. Merde, avec 2-3 coups à la Street Fighter. Voilà. Ouais. Il me fait un vortex là, putain. Et à un moment, je sais ce que j'ai fait, dans le coup, je sais quoi. Là, je crois qu'elle a fait semblant d'être évanouie, là, la gourdesse, là. Tiens, sa gueule. Non ! Et bim, face sitting. Non, mais c'est bon, attends, j'ai l'arrêt. Aïe. Putain. Magnifique levée de jambe. Tu vois, un bout. K.O. Elle a pété la jambe. Tu veux essayer cette expérience incroyable. Vas-y, j'ai lu le... Attention, là on tape dans le joueur expérimenté là. Là, attention. On a le dado, attention, voilà. Tu vas me laisser quand même au cas où. Là c'est du... On a même appris les coups pendant que... Dans la champion de l'Evo 2015. Là c'est... Là c'est le Zizou du Fatigue Angels. Donc ça ne marche pas. Alors ça je sais pas. Ah si, ça fait monter là. Ah ouais. Ça fait monter un truc à la con, mais je sais pas. Voilà, ça fait monter. Les chopes font monter quelque chose. Les chopes font monter quelque chose. Voilà. Si, c'est le cœur. Hein. Je fais un zoom sur le cœur, on voit que derrière Peach, ça augmente. Aïe. Allez, 6 secondes, 5 secondes. Attends, défense. Alors, il va falloir recharger les batteries. Appuie sur les boutons. Appuie. Appuie sur tes boutons. Mais ça change pas, là. Appuie sur... Si, regarde, ça recharge. Non, ça change pas. Si, ça recharge en haut. Ah, c'est en haut, un peu. C'est la barre de vie. Je crois que ça charge la part 6. Ouais, bah ça y est. Alors, vous provoquez avec R2. Ah, la chope, c'est R1. C'est R1, la chope. T'as là, t'es cure pratiquement à fond, là. Je sais pas quoi ça fait, mais c'est bien. C'est les attaques sexy. Attaque sexy, c'est arrière et une touche. Attaque maladroite, c'est avant une touche. D'accord, ok. Et t'as pas genre attaque super ou. Dans là. Sexy, c'est oh là là. Elle fait une chope, la pute. D'accord, en fait. Oh, putain. C'est pour ce qui... Oh la pute. Knockout. Bon. Là, c'était bien, hein. Ouais. C'était bien, non, mais... Attends, vas-y, je vais voir, là, j'ai lu le truc. Ah, c'était... C'est bon. Voilà, sur cette image de mailing winner avec son 5 droit qui bouge tout seul. Voilà, c'était Fighting Angel sur PlayStation 2, toujours des 3 publishers, 12+. Moi, je crois que je l'ai eu à 2-3 balles, donc pas plus. Oula, attends, je vais regarder la notice. Tiens, je te chope. Voilà, combat sans limite. C'était le topo du jeu. À la shop, j'y suis pas arrivé. Ouais. J'ai fait ce qu'il dit sur le bouquin, mais ça marche pas. À bientôt. Mais non.